Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Lady Monica Bacardi, collectionneuse et productrice de cinéma. Elle nous reçoit dans son hôtel particulier à Monaco. Bonjour Laurent. Bonjour Monica, merci de nous recevoir. Monica Bacardi, que représente ce violon détruit devant nous aujourd'hui? J'ai choisi Armand parce qu'il est né à Nice et c'est un homme extraordinaire avec une grande sensibilité. Et le violon cassé, ça veut dire, c'est la colère. La colère, on a tous une colère dans notre vie ou des histoires cassées. Alors, c'est une expression des histoires cassées, mais toujours avec un espoir de recommencer et de recoller. Voilà, et pouvoir de nouveau casser. Mais le violon explosé, ce n'est pas un peu, quelque part, la musique perdue? Non, la musique, c'est continue toujours. La musique, c'est vivante. Alors, c'était dans le passé et dans le futur. Quelque part, ça peut être plutôt les âmes perdues. Les âmes dans notre société, passées ou maintenant, qui se sont perdues. L'important, c'est d'avoir une âme et un cœur. Et c'est ça, pour moi, cette expression de cette œuvre cassée, les violons cassés, et c'est des âmes perdues. Merci Monica pour cet optimisme à la fois du cœur et de la raison. Merci beaucoup. Merci.